Hold up. Yo tout le monde, c'est le camp de sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un entraînement abdos. Dans cet entraînement, on va faire 4 mouvements et 3 fois ce circuit-là. Ça va durer à peu près 10 minutes. Comme d'habitude, prends une bouteille d'eau pour bien t'hydrater. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! On commence dans 10 secondes avec des crunchs tout doucement. Donc en gros, on va se mettre en position crunch, donc comme ça, mais on va les faire tout doucement. Let's go! On les fait doucement pour s'échauffer. Allez. 2. Voilà, super. 3. Et on fait ça, bien sûr, pendant 45 secondes. Très bien. Enfin, 15 secondes, pardon. Très bien. Bloquez pas vos pieds hein, sous un truc, sinon c'est trop facile. Voilà, super. Ensuite, on enchaîne avec du gainage en formation pompe. C'est-à-dire, normalement, du gainage, on a l'habitude de le voir sur les coudes. Mais cette fois-ci, on va le faire comme ça. On va rester comme ça. Let's go. Allez, pendant 45 secondes cette fois-ci. Voilà. On respire bien. Allez, encore, on tient. Allez, ça fait bientôt 30 secondes, voilà, ça fait 30 secondes qu'on fait. Allez, moitié. Super. Super. Allez. Allez, encore 9 minutes à tenir pour toute la séance. Allez. 3, 2, 1. Terminé. On boit un petit coup. Allez. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec un mouvement qu'on va se mettre sur le dos. Voilà, comme ça. Et on va venir toucher le coude au genou opposé. Toujours bien en se levant. Si on fait juste comme ça, ça sert à rien. Il faut bien se lever. Et on triche pas avec nos bras, on les met pas comme ça à 3 km hein, non plus. Ok, très bien. Terminé. Donc, on va se mettre encore une fois sur le dos, mais cette fois complètement allongé. Donc comme ça. On va tendre les jambes, on va essayer de toucher le talon. Bon, je vous cache pas que moi, j'arrive pas trop. Donc touchez là où vous pouvez, comme ça, en se dandinant par terre. Ça va nous faire travailler les obliques, ce sont le côté des abdos. Les deux côtés là, ici et ici. Voilà, encore. Votre tête ne touche pas le sol pour rester debout, parce que si vous touchez le sol, vous ne travaillez rien du tout. Donc, votre tête est bien sûr un petit peu ici, du dos, ce qui englobe les trapèzes. Ne touche pas le sol. Ok, très bien. Allez, 15 secondes de pause encore. On boit un petit coup. Du coup, là, on a fait un circuit sur les 3. Donc, en position crunch et on vient doucement revenir. Et doucement redescendre. On contrôle sa respiration, on souffle par la bouche et on inspire aussi par la bouche. Voilà, comme ça, très bien. Allez, on continue. Encore. Très, très bien. Voilà. Super. Bon alors, voyons voir. On va faire encore du gainage en formation pompe. Allez, on continue. Super. Allez, 2, 1, let's go. Allez, comme ça. Très bien. On lâche pas.
Pareil, les fesses, pas comme ça. Hein. Toujours bien cambré au niveau du dos. Le dos, on ne fait pas trop le dos rond comme ça. On lève la tête. On ne creuse pas la tête, sinon on aura tendance à revenir. Donc bien la tête haute. On regarde devant soi. Pareil, assez largeur d'épaule. Pas comme ça, ni trop large, normal. Et puis pas devant comme ça. Il faut vraiment que les épaules, coudes et poignets soient alignés. Allez. Le gainage fait travailler transverse. Le transverse, c'est ce qui fait tenir tous les organes. Enfin, c'est le muscle qui tient tous les organes. Et ce qui fait que quand on vieillit, si on ne le travaille pas, donc tout ce qui est en position gainage, et bah, tous nos organes ils vont tomber. Et puis ça peut causer des problèmes de dos. Allez, mountain climber sur le dos, comme ça. Allez, très bien. Pareil, je rappelle, on ne triche pas. Et on souffle bien. Allez. On souffle. Très bien, moitié. Allez, on ramène bien nos coudes à la pointe du genou. On ne triche pas. En ramenant les bras vers l'avant. Très bien. Allez. Allez, on touche les pieds avec nos mains. Comme ceci. Allez, 2, 1, go. On touche. On touche. Pareil, la tête. Là, là, elle ne touche pas le sol. Voilà, comme ça. On continue. Très bien. Moitié. Très très bien, allez, on continue. Allez, on est bientôt à la fin. Très bien. En plus, vous ferez le ménage avec votre dos. Allez. On recommence donc le circuit une troisième fois. Et c'est la troisième fois, donc c'est le dernier circuit qu'on fait. Enfin, le dernier tour. Allez, on fait des crunchs doucement. Allez. Voilà. À ce rythme. 1, 2, descend. 1, 2, monte. 1, 2, descend. 1, 2, monte. 1, 2, descend. Pareil, en haut, vous êtes montez pas tout d'un coup et attendez en haut. Parce que arrivé en haut, vous remarquerez si vous mettez votre main, vous sentirez que vos abdos ne sont plus contractés. Voilà, super. Allez, on fait du gainage sur les bras maintenant. Moi un petit coup. Allez. Let's go. Voilà, et on reste comme ça. Je disais tout à l'heure que pour travailler transverse, il faut faire du gainage de ce type. Aussi sur les coudes, où on peut faire des abdos à la roulette encore, mais c'est un peu plus complexe. Mais le transverse, donc je disais qu'il tenait tous les organes, et puis c'est l'abdos le plus profond. Et si on fait que du crunch ou des mouvements comme ça, et ben on va travailler que l'esthétique et pas l'intérieur du muscle. Donc c'est pas très pratique. C'est pas très pratique pour notre santé. Ok, super, super. On continue avec des mountain climbers, enfin pas des mountain climbers, mais inversés quoi. Par exemple, bah du coup, on vient toucher comme ça. Parce que les mountain climbers, normalement, c'est on se met en position pompe et puis on vient avec nos pieds monter comme si on voulait taper le sol derrière, balayer le sol derrière. Tandis que là, c'est un petit peu l'inverse, vu qu'on monte les genoux et on est sur le dos. Sauf dans ces cas-là, on devrait avoir les mains comme ça. Mais bon. Ok, super. Allez.
vous devez sentir que ça brûle bien au niveau des abdos. Donc, ah oui, on continue avec un toucher de pied. Allez, let's go. Allez, 1, 1, 1, 1, allez, 1, 1, à ce rythme. 1, 1, 1, 1, voilà encore. Encore. Ok, très très bien. Eh bien, bah on a terminé l'entraînement. Hein. On a bien travaillé les abdos. Ce qui est bien dans cet entraînement, c'est qu'on a travaillé tous les abdos, c'est-à-dire on a travaillé les obliques, les abdos extérieurs et les abdos internes. Donc les abdos, comme je vous parlais tout à l'heure, le transverse. Tous les mouvements qui vont être, par exemple, le gainage en formation pompe, ça va être pour le transverse, donc les abdos internes. Et tout ce qui va être crunch, ça va être pour les abdos extérieurs. Et puis on avait aussi le toucher de pied, vous vous souvenez, comme ça on se dandinait. Et bah ça va être pour les obliques. N'hésite pas à t'abonner, à liker. C'était Le Coin du Sportif. Ciao!